Bienvenue sur Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, notre sujet est le système de climatisation pour les chevaux. Les scientifiques canadiens disent que les têtes de chevaux ont des systèmes de climatisation qui fonctionnent lorsque leur température corporelle augmente lorsqu'ils courent vite. Selon un rapport de chercheurs canadiens publié dans le Nature Journal, les chevaux ont un système anatomique spécial au bas du crâne, ce système refroidit le sang qui arrive au cerveau. La température de la tête des chevaux doit rester inférieure à 40 degrés Celsius lors de l'exercice au maximum, sinon ils subiront des lésions cérébrales. Les chercheurs ont découvert que les artères carotides qui font transiter le sang vers le cerveau sont entourées de deux branches qui contiennent de l'air, environ 300 à 500 mg d'air, qui provient du système respiratoire. Par conséquent, lorsque les chevaux font de l'exercice et transpirent, la chaleur du sang se transforme en ces branches. Les branches gutturales ont été découvertes pour la première fois dans la tête des chevaux en 1756 et depuis lors, de nombreuses théories ont tenté de connaître leur fonction. Ces branches doivent avoir une fonction utile car elles mettent en danger la santé des chevaux car elles sont susceptibles d'être infectées par des bactéries et des parasites qui peuvent être mortels. Ainsi, ils doivent avoir un certain but. L'équipe de recherche a utilisé des capteurs pour mesurer les changements de température à trois positions différentes, lorsque le sang se déplace dans les artères, puis à travers les branches gutturales et lorsqu'il atteint le cerveau. Ces capteurs ont été implantés sur quatre chevaux, puis ces chevaux ont été exposés à une série d'exercices variés. Cette expérience a montré que la température a chuté après le passage du sang à travers les branches gutturales. Le docteur Kate Baptiste dit que cette découverte obligera beaucoup de gens à changer leurs idées sur le système d'anatomie du cheval. Les scientifiques confirment que sans ce système de climatisation développé dans la tête des chevaux, ils n'auraient jamais pu courir vite. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'infos.